Grip. Donc Rising Hell, nous voilà. Ça va se mettre à gueuler, je pense. J'espère qu'il va être bien cet accordéon quand même. On en a tellement parlé. Ah oui, on reconnaît bien le flonflon. Les commandes, madame. S'il te plaît. Alors, Arok. Bref, il est sympa, Arok, mais voilà, voilà son skill. Durabilité, power, agilité, vitesse. Bien. Bien. Range, ça ferait. Non. Peut-être. Ah oui, tout de suite, il vous fait hésiter quand il vous laisse faire les courses comme ça au démarrage, c'est chouchou. Bon alors. Alors, décrise attack power par 10. Ah oui, mais tu as un compagnon. Ok. On va prendre le truc par défaut, parce que je suis pas chiant comme mec, en fait. Comment ça, je vous ai fait glander pour rien? Ah, les commandes. Chut. Sauter, attaquer, interagir, pourquoi faire? Bouton droit. Ouais, pour le... Oui, la lessive. Et voilà, on continue. Dash. Faudra que je trouve à chaque fois un mot régulier à traduire. Parce qu'à chaque fois, je le change et c'est connu pour tout le monde. Oh, sa gueule, c'est super bien. Accordéon Power. Tu peux pas atteindre une plateforme. Essaye de sauter une deuxième fois quand tu sautes. Eh mais, t'es ouf, toi, t'as montré quoi? Le double saut devant moi, là, tout de suite? Non. Ne fais pas ça. D'accord. Et y'a un kill. Attends, bouge pas, j'essaye. Yes. Ok. Bon, je monte, hein. J'y vais, je fais comme t'as dit. Les gars, vous êtes quoi, des méchants? Ah, ouais, c'est des méchants, ça. Donc, j'avais prévenu, il y a du gros pixel. Ah, bah oui. Et il va y avoir un peu de parcours aussi. Spring. Ça crève, ça. C'est gros, ça, c'est méchant. Ouais, c'est méchant. Mais ça crève. C'est la bonne nouvelle. Toi, t'arrêtes de me tirer dessus, je te dis. Alors, il y a des fois, je fais des sauts un petit peu zarbes. Hein. Je vais glisser un peu, peut-être, parce que ça gueule. Ah, je l'ai pris, celui-là. Mort aux portes. Mort aux portes. Mort aux morts. Mort à tout le monde. Alors, ouais. Alors, les sauts, c'est la technique Super Meat Boy, un petit peu. C'est-à-dire, oui, il faut bien faire direction opposée quand vous voulez enchaîner dans les couloirs. Sinon, vous allez faire comme les vieux qui savent pas trop jouer à ces jeux-là. Je ne nommerai personne, mais on a des enregistrements quand même assez pathétiques. Cha-cha-cha-cha-cha. Bon, pour l'instant, je prends mon temps, hein, mais on va essayer d'enchaîner après. On verra ce que ça donne, si c'est drôle. Là, c'est... Je prends mes marques, parce que je suis pas à la maison, et je me sens pas terriblement bien. Est-ce que je nettoie tout le niveau, ou c'est important ou pas? On va dire non. Hop, hop, hop. Wouch, wouch, wouch. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai l'impression qu'il enchaîne l'ennemi. Je vais quand même vous baisser un peu le son, j'ai vraiment l'impression que ça gueule. Voilà, ça m'évitera de parler fort, j'aime pas parler fort non plus. J'aime juste taper fort. Monsieur? Hein, j'ai raison? Eh oui. Et donc je disais, oui, j'ai l'impression que ça enchaîne les ennemis quand on est proche d'une grappe où il y en a plusieurs. On va essayer ça. Et là, je crois que il me fait des coups quand même pas mal. Bon, je suis indestructible, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Alors... Oui, ça c'est pour attirer les bonus. Ça c'est pour augmenter ma life, mais j'ai pas assez de soux. Et ça c'est pour taper plus fort, j'ai pas assez de soux. Vie de quoi? Vie de... Pourquoi c'est vide là, les gars? Ah, direct, j'interagis. Elle aura servi cette touche, dites-moi. Il est très rigolo ce jeu, parce que oui, le pixel work fonctionne de manière assez excellente, c'est très lisible, très chargé, c'est marrant, c'est comme on aime quoi. Attends, tout le monde m'a aimé. Alors quand je saute, il fait une attaque directement, ça c'est pas mal. Enfin, c'est l'impression que j'ai pour l'instant.
Le veau de l'avarice. Mais le veau, c'est bon. Attendez, je vais nettoyer ce niveau, ça me fera plus de pièces. Arrête. J'ai oublié mon dash, oui, bah je m'en suis pas encore servi depuis le début, c'est vrai. Et il va falloir que quand même j'y songe. À moi les PPS, on y va. Est-ce que je passe dans l'espèce de truc en dessous là? Ouais, ça doit être un shop, je sais pas. Non, c'est un autre niveau. Ok. Ah, je voulais faire une belle manip et j'ai fait de la quoi, des trucs minables quoi. Indigne d'un guerrier de mon rang. Et je vais me venger sur ce petit truc. Ouais, il enchaîne qu'on saute en fait. J'ai cette impression vraiment. Merde. Oh bravo, 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 monsieur K et la plateforme, toujours aussi génial. Là je me casse pour la peine, vous m'allez pas amuser les gars. Y pour... Bah, où je vais plutôt que de faire languir la bonhomme. C'est quoi ça là-haut? Bouge, bouge, bouge. C'était un méga bonus. J'allais passer à côté sans le prendre. Ah, oh, scandaleux. Moi, je pense qu'il va me renvoyer d'où je viens ou un truc assimilé, non? Les gars, j'ai une question. Pourquoi on brochait des mecs si c'est pas pour les manger? Eh, vraiment, expliquez-moi. J'aime bien comme il attrape par en dessous les lascars là. C'est pas mal. Ça défoule vraiment tout cas. Et l'attaque par en dessous, je confirme, ça marche bien. Alors que n'ai-je pas fait dans ce niveau parce que j'ai pas vu l'issue en dessus, si. Ah ouais. Monsieur les lunettes. Sans souvenir, un par deux. Bon. Oui, ça j'aimerais bien. Ça c'est vicieux, mais on le gardera pour plus tard. Allez, fais péter. Ah ouais. Du coup, un truc que j'aimerais observer, c'est savoir si les niveaux sont générés procéduralement ou bien que ça. Si, si, apparemment non, c'est pas procédural, hein, c'est vraiment du calculé. Ok, bah, je crois qu'on a notre réponse, c'est cool. On va faire une hécatombe ou massacrer. Bon, une hécatombe, c'est vraiment bien. En tout cas, le mec à la guitare derrière, on l'arrête plus. Depuis le début, là, il est au taquet. Il fait jamais de pause. C'est un stealth novice. Oh, des obstacles piégés! Attends, je vais rigoler avec ça. Ça c'est assez... Non. On va pas jouer avec des scies circulaires, les gars. Alors apparemment ça c'est des bonus stages hein, les veaux de l'avarice. Les veaux de l'avarice. Quand je vous dis que le veau c'est bien de toute façon. Ouais, j'ai toujours mon petit problème, ouais c'est Super Meat Boy, je sais. On va y arriver. Ah va te faire déchirer quoi. Ouais, il y a un moment, faut savoir dire stop. Et là j'ai dit stop. Stop, encore. Stop. Encore. J'ai piqué la peine. J'ai piqué sa pépère et on y va. C'est très très agréable à jouer en tout cas. Niveau maniabilité, il n'y a rien à redire. Ça bouge exactement comme on l'attend. Même mieux, je crois. Non mais descends. Eh, je sais pas descendre. What the frag? Attends, il y a une gueule là. Mais non. Eh, je sais pas descendre, les gars. C'est peut-être un détail pour nous, mais pour moi, ça veut dire... Oh non. je la sentais pas, là-haut. Il tatane, le gars, il tatane. Alors, j'essaie la croix directionnelle aussi, parce que je vais expérimenter des petites choses. Qu'est-ce qui se passe, là? Là, il y a un boss. Hop, hop, il y a un boss. Attends. Ça va pas être fun, les gars.
Il l'a senti celui-là. Bon, moi, tant faut que je monte tout là-haut, moi, les gars. Ouais, vous me connaissez, ouais, je sais. C'est la partie que j'aime pas, la partie plateforme, quoi, soyons clairs. Je vais pas me cacher de ça. Ok. Oh, ça, c'est bien, ça. Non. Ça, j'aime bien. Allez, go. Go, les petits os. C'est pas un bonus. Bon, une dizaine de minutes dans ce jeu et on a envie d'y rester en fait. On est confort, c'est bourrin comme on aime, c'est speed comme on aime. Je suis revenu au début, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais me parlez plus, y'en a marre. C'est pas drôle. Bon, il est bien ce Bolt. Bon, enfin, j'apprenne à me méfier un peu du décor, apparemment, parce qu'il est programmé que j'allais souffrir. Salut, Samuel, comment tu vas? Je suis bien pour les... Ah, ah, là, il était à toi, ce mignon? Bah, il est mort. Oh, ça va, cognon. Ah non, mais Samuel, je vais t'expliquer. 24%, tu vas encore descendre. Ah bah, je te le dis. Regarde. Capo. On la gère, tu voulais faire quoi là? T'es entier? Faudrait bien de la life les gars, parce que là je vais avoir un sous-seuil. Oui, monsieur K est sympa, détendu d'apparence, mais quand il faut cogner, il est toujours là aussi, hein. Faut pas déconner non plus. S'en fout ça pour l'instant. Plus je meurs, plus je deviens méchant. Et c'est tout loin ça, monsieur. Ah merde, il me manque de la thune! Alors quand je prends un dommage, c'est vrai que j'ai une petite zone d'invisibilité. J'avais pas fait très attention à ça. Donc il y a des petites finesses comme ça dont on peut se servir pour bourriner encore plus. Alors dis non. Hein. On n'est pas là pour faire de la poésie. Ni un gratin de courgettes. Allez, go! Ouais, non mais ça se casse ça, fallait me le dire. Parce que moi les premiers je les ai gardés, je suis sympa. La sympatitude, c'était hier. Maintenant on est méchant. Et le gratteux, toujours derrière. On fait une pause mec, on boit une bière. Qu'est-ce que quoi? Eh hey, le boss. Eh hey, viens là gros. Gros gros, eh hey. T'es tout là, sérieux. Attends, je bouge, 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 bouge. Mon dieu, ça donne ma cou! Ah! Le con! Oh la zik! Excellent! Merde! My bad, my bad! La life, vite, 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 vite! Oh putain, bouge! Il m'a foutu la merde, lui. Non, 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 non. Le boss. 8%. Eh ben, franchement, mais non, mais... Vous vous débrouillerez certainement mieux que Monsieur K dans ce fantastique Rising L qui n'est pas tout neuf, mais honnêtement, il a l'air tellement gentil ce jeu. Plus de héros à jouer, plus de royaumes et de gros méchants à explorer et à ratatiner. Bien.
Bon bah voilà, Rising Hell, c'est vendu, moi je le veux. Vous, je sais pas, mais moi ça c'est le genre de petit jeu, on fait une pause de 20 minutes, on a envie de se défouler, c'est juste parfait quoi. C'est un Metal Slug, mais version infernale. Playlist, playlist, bouton d'abonnement, et à tout bientôt les amis, je retourne faire des incantations. Brr, brr.